Et merci à tous, on se retrouve pour la suite de Secret of Mana. On s'est arrêté dans cette putain de forêt qui est méga longue. Là, il y a une petite voix qui nous a dit de combattre le dragon ou le boss, je crois plus c'est quoi. Qui est à gauche. Moi, à l'ouest, mais c'est à gauche. On va avoir des mobs, comme d'hab. Fatigue dans la gueule. Il faut moins le mal. Aïe. Meurs. Non. Meurs. T'as toujours pas de dégâts? Merci. Arrêtez de grotte. Le dragon. Oula, il est ici. Non, non, pas ça. Ah d'accord, il faut faire les dégâts. Ok. On va changer. Alors, Y. Non, je pense qu'il va prendre les dégâts hauts, je pense. Non, c'est pas mal ça. Alors. Ah non. D'accord, il prend rien du tout, ok. Ouais. Soigner. C'est un peu chiant celui-là, il part tout le temps. J'espère qu'il a pas beaucoup de vie. Oh. Arrête de bouger! C'est chiant, on va mettre un petit légume. J'aurais pas touché. On va re-soigner. T'as pas un meilleur truc toi? C'est bon. Y'a pas un meilleur truc, genre un truc qui peut servir. Pas mal ça. Ah, ça a pas marché, on est d'accord. Y'a pas de magie qui peut servir ça, non? Allez, montre-toi, petit monstre. Non, pas ici.
Viens là. Par contre, on va sonner. Théo. Et Barton. On a vu la villa, mais ça va être chaud. Allez, attaquez-le. C'est chaud, chocolat. Allez. Ah, il est chiant, hein. Un faible lower, on a vu ça, ouais, l'aile. Allez, tape. Putain. Merci. Waouh. Allez, t'es chaud, hein. Mais il était pas chaud au dégât et tout ça, mais il était chaud parce qu'il peut avoir ça tout le temps, quoi. C'est à qui est-ce que avec ce genre de mob, quoi. Faire de points, nice, je pourrais améliorer l'arme. Ah, j'y. Je voulais faire que j'aille ça. Je voulais remettre une petite explosion en L. Bon, ça a pas mal servi quand même le truc d'eau, mais ça a pas beaucoup fait effet comme il était niveau 0. On s'en va esquiver parce que bon. Marrant une fois. Mais deux, pas tellement. On va se regarder quand même, on va faire se regarder ici. Voilà. Loge. Là, y a un passage, mais y a pas de passage. C'est ici qu'il faut aller. Yeah.
Voilà. Oula, oula. On va y aller parce que bon, il y a du monde. Ça par contre. Chercher les mecs. Donc allez. Encore. Bon. On va avancer parce que bon. Encore des putains de papates. Oula. D'accord, un petit beau boss. Ok, ok, alors celui-là rigole pas par contre. Soit nous poissons qui revient. Bottom. Attention que tu crèves. Natural, tada. Yeah.
Oh, t'as... Yeah, comment ça va être chaud les boss hein. Voilà, allez. On est monté de niveau déjà. N'importe quoi. Quitte hein. Ta-da-ta-da. Bravo. C'est une sphère d'épée, nice ça par contre. C'est pas que vous faites chier les mobs mais on va passer hein. Ah. Passer au deuxième dragon qui se trouve. Alors, on va se regarder aussi. Bon, on va vaincre le dragon, il y a pris un stratège là je pense. T'as de fuir là? T'as pas être. Nice. Il était mignon lui, pas ça va. Bon toujours c'est sûr les dragons qui va toujours sortir de la de hors caméra pour faire chier. Mais bon, ça va, on a bien géré. Bravo. C'est une sphère de Moomang. Pardon, fait que passer. Ah, on est arrivé. Où sommes-nous? Regardez. C'est l'arbre de mana. Nous sommes enfin, nous allons pouvoir raviver l'épée de mana. J'ai l'impression de rêver. Est-ce que tout ceci est réel? C'est vraiment arrivé? Zo, merci. Je suis heureux de t'avoir rencontré, toi aussi, Agito. Ouais, j'ai eu la chance de tomber sur d'aussi bons serviteurs que vous. Ça m'est passé des choses en un peu de temps. Mais grâce à vous deux, j'ai pu surmonter toutes ces épreuves. Merci. Il nous reste une chose à faire. Quand l'épée sera arrivée, nous serons prêts à affronter la forteresse. Allons-y.
Ah, 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 admirez la puissance de la forteresse de mana à feu. Ah, Jojo, Liz. Ah. Zozo, réveille-toi, Zozo. Où suis-je? Ah, l'art de mana a disparu. Non. あなたたちを待っていましたよ。私はマナの木。世界を見守り続けるものです。悲しむことはありません。私の姿は見えなくても、心はあなた方と共にあります。復活したマナの要塞により、世界からマナがほとんど失われかけています。 まもなく世界中の神獣たちが集まり、一匹の巨大な神獣へと変化するでしょう。神獣は失われたマナの回復をすることができる唯一の生物です。でもマナがあまりに急速に失われると、その反動で狂ったように暴れ始めてしまうのです。要塞と神獣がぶつかれば、 世界は最後の時を迎えてしまいます。回避する方法はただ一つ。聖剣。マナの剣によって神獣を倒してしまうしかありません。そしてその剣はマナの種族と呼ばれる精霊の血を引く一族によって受け継がれているのです。 共和国の騎士であったあなたの父セリンが抜くべきはずだったのですが、15年前の戦争で魔界の力を得た皇帝と刺し違え、蘇った皇帝を倒すために最後の力を振り絞り、聖剣を抜きにあのポトス村の森まで来たところで力尽きたのです。 じゃあ、あの滝のところで見たお化けは父さんだったの？あなたの父セリンは共和国の騎士でした。そして私はその妻、あなたの母だったのです。私たちはマナの種族。マナの種族の女は子孫を残すと、 こうしてマナの木となり、世界を見守り続ける定め。マナの種族の男はあなたの父のようにマナの剣を取り、平和と秩序を守らねばなりません。さあ、要塞に向かいなさい。要塞の動力がマナなら、マナが少なくなった今、シールドも消えたはずです。 私の最後の力を使って、封印が解かれてしまった全てのマナ種子と聖剣を共鳴させてあげましょう。ごめんね、母さん。お前に母親らしいこと何もしてやれなかった。母さん、本当に母さんなの？ マナの木がなくなっても平気なの？ Oh. Okay, alright. 母さん、 やっと会えたのに、 答えてくれよ。
イラだって。ちくしょう。ごめん、みんな。もう大丈夫だ。僕はマナの種族。父や母の意志を継ぎ、かけがえのないこの世界を守ってみせるよ。よし、その子なくっちゃ。さすがはオイラの一の子分。そうだね。なんだか私もママに会えたような気がしちゃった。きっと心の中にいるんだよ。元気出せよ。よし、元気づけといこうぜ。Bon, on a le pouvoir de l'épée déjà, c'est bien. On va aller nulle part ici, on a fini tout ici. On peut taper lui. On peut taper sa mère. ouais. Bon, on va se laisser ici, je pense, après cette petite histoire qui a duré un peu longtemps quand même, 6 minutes quand même de cinématique. On a appris pas mal de choses. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire pour voir ce que vous avez compris, ce que vous avez pas compris. Et sur ce, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, de commenter la vidéo, de la partager, de vous abonner à la chaîne pour suivre les séries des copains et mes séries. Et sur ce, portez-vous bien, bye bye!